Moi, c'est Diomondé Youssouf. Je suis né en 1993 à Touba. Je suis marocain. Je me suis rendu à San Pedro en 2002 avec mon père pour la formation d'un métier qu'on appelle le carrelage. Mais finalement, étant jeune, je n'avais pas encore compris ce qu'on appelait la vision d'un jeune, quoi. J'étais dans le vagabondage, volé de gauche à droite. Maintenant, les années écoulées, j'ai su que j'étais dans une vie qui pouvait m'amener à la débauche. Et c'est ainsi que je me suis rendu à la Rema, puisque les gens de Rema venaient dans les rues de San Pedro pour en parler des bienfaits du lieu social de Rema. En 2007, j'ai intégré le centre. Du coup, on nous a amenés ici à Abidjan pour les activités. Bon, quand on est arrivé à Abidjan, je ne m'intéressais pas encore au métier, j'ai abandonné complètement le métier. Et ils ont commencé des chantiers, ils avaient besoin des carreleurs. Ah, je me suis présenté pour la première fois pour dire « Ah, je suis carreleur. » Ah, le responsable me disait que « T'es sûr que tu es carreleur ?» Oui, bien sûr. « T'es sûr ?» Je dis « Oui. » « Bon, si on t'envoie là que tu ne fais pas bien le travail, on va te discipliner. » Il dit « Pas de souci. » Et c'est ainsi que j'ai commencé le travail et le travail a été apprécié. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux vous l'affirmer que le métier-là est tout ce que moi je suis. Ce métier-là qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai fait pas mal de travail un peu partout, voyager à l'intérieur du pays. Et à Abidjan, on ne peut pas en parler. J'ai travaillé dans plein d'endroits. Mais grâce à Dieu, tout ce que je peux dire actuellement, c'est la bénédiction de Dieu. Parce qu'un enfant qui était dans la rue, qui faisait de n'importe quoi, aujourd'hui, arrive à travailler, à s'en charger de sa famille grâce à ce métier-là. Donc je vous exhorte à pouvoir m'aider parce qu'une seule personne ne peut pas faire quelque chose sans son entourage. Donc ce que je peux dire, c'est que votre manière de pouvoir nous aider, c'est de nous donner des chantiers. Éventuels chantiers pour encourager la jeunesse aujourd'hui pour aller de l'avant. J'ai aussi des apprentis de gauche à droite. Toutes ces personnes-là sont avec moi. Si on nous donne des chantiers, ça nous permet aussi de pouvoir aussi sortir de la débauche. Les jeunes que je les connaissais, qui étaient dans la débauche, seront avec moi pour travailler. Et cela aussi va diminuer la délinquance dans notre ville et dans notre pays. Et je vous remercie et que Dieu vous bénisse.